Salut Tia, ça fait un bail. Comment vas-tu depuis toutes ces années? Qui aurait cru que tu en serais arrivée là? Une femme d'affaires accomplie, une épouse heureuse? Ça n'a pas été de tout repos. Tu as dû te battre tellement dur pour y arriver. Ton évolution me fait un peu penser à Michelle Obama. Une femme partie de rien, avec ses craintes et sa détermination comme bagage pour réussir. Oui, parce que Michelle Obama n'a pas toujours été première dame. Elle a fait ses armes à Chicago dans un quartier populaire où la réussite était une histoire de force mentale. Femme noire, sans aucune richesse, sans nom pour lui ouvrir les portes, elle a su se frayer un chemin jusqu'au sommet parce qu'elle avait une foi inébranlable en ses capacités et en ce qu'elle voulait devenir. Tu es la même femme, Tia. On est d'accord que naître dans le 9-3 n'était pas un gage de réussite, mais ce n'était pas un frein. Et le meilleur exemple qui confirme que l'endroit où l'on est ne définit pas ce que l'on est, et bien Oprah Winfrey. Cette afro-américaine, aujourd'hui milliardaire et l'une des femmes les plus influentes de la planète, a été orpheline, violée et mère avant même de réellement connaître son corps. Des sévices qui pendant longtemps ont dirigé sa façon d'agir. La peur de ne pas plaire, de ne pas rentrer dans le moule. Mais avec les années et sa foi, elle a réalisé qu'elle n'était finalement que la seule maîtresse à bord de sa vie. Elle a compris qu'il fallait qu'elle en prenne les rênes, qu'elle arrête de se dévaloriser, de ne voir en elle qu'une petite fille fragile. Elle était bien plus que ça. Elle était une femme forte et intelligente qui devrait prendre sa place autour de la table et pas au fond de la salle. Toi aussi, Tia, tu l'as compris. Pendant longtemps, tes craintes de ne pas être légitime, de ne pas être prise au sérieux t'ont bloqué dans ton ascension. Et puis il y a eu ce déclic, il y a quelques années, et tu t'es enfin révélée. Personne ne t'a facilité la tâche, mais tu as su t'entourer des bonnes personnes, des personnes qui ont cru en toi et qui, toutes ces années, t'ont porté au sommet. Sheryl Sandberg l'explique très bien. Tout au long de sa carrière, des mentors, des gens qui ont cru en elle, l'ont aidée, l'ont poussée à se surpasser, à croire en ses forces. Elle aussi a su s'imposer dans ce monde où la femme n'est pas toujours considérée à sa juste valeur. Mais elle n'a pas laissé cette certitude diriger sa vie. Elle était une femme, mais elle se battrait pour avoir sa place. Elle avait la conviction cependant que les choses devaient être faites plutôt que parfaites. Tu te souviens, Tia, c'était l'un de tes handicaps. Tu préférais ne rien faire tant que ce n'était pas parfait. Aujourd'hui, tu sais que viser la perfection engendre au mieux de la frustration et au pire te paralyse. Le plus important est de donner le meilleur de toi. Pendant toutes ces années, tu as aussi appris qu'il y avait très peu de vérité absolue. Tu avais tes vérités et ton interlocuteur avait aussi les siennes. Grâce à ça, tu es devenue une excellente communicante, en ayant la capacité d'écouter l'autre et d'essayer de comprendre son point de vue. Tu as aussi lâché prise, ça a été tellement dur pour toi, toi qui aimes tout gérer. Mais aujourd'hui, la chose la plus importante est l'instant présent. Tu as arrêté de te plaindre de tes erreurs passées, de vouloir à tout prix tout projeter, mais simplement de vivre. De vivre ce plat délicieux, de vivre cette pause, de vivre le sourire de ta mère, de vivre les blagues de tes meilleurs amis, de vivre l'amour de ton compagnon. Ton voyage n'est pas encore terminé, Tia. Devenir ne signifie pas atteindre une destination ou un objectif, mais c'est plutôt un mouvement qui te porte vers l'avant, un moyen d'évoluer, une façon d'aspirer en permanence à s'améliorer. Alors continue de rêver, Tia. Continue de briller et sois fière de toi.